Gospodine. Seigneur. I večeras dolazim pre tebe. Ce soir, je viens devant toi, car en ta présence, je trouve la force, je trouve la consolation. Ce soir, je viens devant toi, car je désire te confier tout, tout ce qui m'écrase, tout ce qui crée des difficultés dans ma vie, tous mes problèmes. Ti, Gospodine, znaš koliko sam slab. Seigneur, tu sais combien je suis faible. Ali vjerujem da si ti sve mogući Bog. Et je crois que tu es Dieu tout-puissant. Et je crois que tu peux te glorifier en mes faiblesses, que ta toute puissance peut se glorifier dans ma vie, afin que tu sois le roi de ma vie. Et c'est pourquoi je te confie tout. Toute ma vie, je la remets entre tes mains, Seigneur. Je m'abandonne à ta direction. Tu me vodi. Toi, guide-moi. Ti me tješi. Console-moi. Ti me neprestano čuvaj na putu spasenja. Garde-moi continuellement sur le chemin du salut. Gospodine, sada te želim moliti za zdravlje. Seigneur, maintenant je désire te prier pour la santé. Je désire te prier pour la guérison de l'âme et du corps et de l'esprit. Seigneur, je crois profondément que tu es présent ici. Que tu écoutes ma prière. Je crois profondément qu'en ta présence, je peux aussi guérir. C'est pourquoi vraiment, Seigneur, je te prie maintenant d'entrer dans ma vie. Guéris toute maladie. Toute difficulté physique. Gospodine, ali ako je tvoja volja da nosi... Et Seigneur, si c'est ta volonté que je porte la croix de la maladie, ljubavlju i svojom snagom. Comble-moi de ton amour et de ta force afin que je puisse la porter. Je connais toutes mes peurs. Tu sais que très souvent, j'ai peur d'accepter ma croix parce qu'elle trouble les plans de ma vie. Et c'est pourquoi, Seigneur, je te prie de me donner la force
d'accepter ma vie, de savoir porter ma croix. Car c'est seulement par la croix que nous pouvons voir la lumière de la résurrection. Grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù. Thank you Jesus, thank you Jesus. Seigneur, maintenant, je te prie de guérir mon âme, de guérir aussi mon cœur. Tu connais toutes les blessures de ma vie. Et tu sais que ces blessures sont très souvent source et cause de péché dans ma vie. La Sainte Écriture nous dit que tu es le vrai médecin de notre âme. Qu'il n'y a aucune douleur que tu ne puisses adoucir, aucune blessure que tu ne puisses guérir. C'est pourquoi ce soir, je suis devant toi, car je crois profondément que tu peux m'aider. Seigneur, aide-moi à reconnaître mes plaies, particulièrement les blessures qui ont été causées pendant l'enfance, les blessures qui cause un comportement que je ne réussis pas à contrôler, les blessures qui m'empêchent de réaliser librement des relations amicales. De manière particulière, je te prie pour toutes ces blessures qui m'empêchent de vivre, qui nous empêchent de vivre en harmonie dans notre propre famille. Seigneur, je te confie mes propres faiblesses. Entre mes faiblesses, mes faiblesses ne soient plus un lieu où demeure le péché, mais un lieu où toi, tu entres et te glorifies. Snagom svoga milosrđa. Seigneur, par la force de ta miséricorde, purifie-moi de tout péché. Par ta miséricorde, purifie-moi de toute situation négative dans ma vie. Seigneur, dans la Sainte Écriture, nous lisons que quand toi tu es présent, le mauvais perd toute force. Mi duboko vjerujemo da si ti prisutan kao živi Bog u sakramentima. Nous croyons profondément que tu es présent en tant que Dieu vivant dans les sacrements. Et c'est pourquoi je te prie par la force de ta présence sacramentelle, chasse toute influence du mauvais dans ma vie et envoie ton esprit afin qu'il m'incite, afin qu'il me stimule, m'encourage et que je sache reconnaître les pièges du mauvais dans ma vie. Envoie ton esprit, Seigneur, afin qu'il descende sur moi et qu'il me comble de son amour, qu'il enflamme mon cœur. Et que selon
ton exemple, je puisse moi aussi vivre dans l'amour et le service des autres. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous tous qui êtes présents ici, votre famille, tous ceux pour qui vous avez prié ce soir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Nous allons continuer.